Un honorable député a le consentement, en plus. C'est avec l'expression de toute ma solidarité avec les peuples kabyles et algériens que je dépose les pétitions 121, 582, 98 et 122, 45, 272. Depuis décembre 2019, des citoyens algériens, plus particulièrement kabyles, subissent de la répression, des arrestations arbitraires pour avoir, entre autres, exprimé publiquement leur opinion politique. Les organisations des droits humains dénombrent plus de 500 personnes emprisonnées injustement en Algérie sur la base de fausses allégations en appartenance, en vertu d'une appartenance supposée à une organisation terroriste, notamment depuis que le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, pourtant pacifiste, est abusivement accusé de terrorisme par le gouvernement algérien actuel. Les signataires de la pétition demandent que le gouvernement du Canada condamne cette situation arbitraire instaurée en Algérie, ainsi que ses condamnations et arrestations tout aussi arbitraires, dont sont victimes des centaines de prisonniers d'opinion, particulièrement kabyles, qui croupissent injustement en prison. En terminant, je tiens à féliciter M. Rachid Bandou, qui a officiellement lancé cette pétition. Merci. Bravo.